John Wick, le préquel de la saga, a enfin une date de sortie. Intitulé The Continental, ce dernier aura en tout trois parties de 90 minutes. Ils développeront l'univers du héros John Wick lorsqu'il est entraîné dans le paysage infernal de la ville de New York des années 1970 pour faire face à un passé qu'il pensait avoir laissé derrière lui, lit-on dans le synopsis officiel du long-métrage. Par ailleurs, Peacock a offert aux fans un petit avant-goût de ce préquel. Dans les quatre clips diffusés lors de cette occasion, on voit le célèbre acteur australo-américain Mel Gibson qui endosse le rôle principal de Cormac et Colin Woodell qui incarne le jeune Winston Scott. Néanmoins, on apprend que l'acteur emblématique Keanu Reeves ne sera malheureusement pas présent dans The Continental. Pour ce qui est de la date de sortie de la première partie de The Continental, elle sera disponible à partir du 22 septembre 2023. Quant à la deuxième partie, elle débarquera le 29 septembre sur les écrans. Pour finir, le dernier épisode sera mis en ligne le 6 octobre. Et pour les plus impatients d'entre vous, les trois volets de la saga à succès John Wick sont actuellement disponibles sur la plateforme de streaming Prime Video.